Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. La dernière fois, je vous ai parlé de la vidéo sur la nouvelle fonctionnalité de WhatsApp, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment activer toutes ces fonctionnalités. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment activer la fonctionnalité de ligne d'enregistrement audio, texte et la deuxième flèche sur WhatsApp, sans que les autres sachent que vous êtes en ligne ou que vous avez lu leur message vocal, texte, image, sur WhatsApp. Lorsque vous recevez un message vocal, les deux flèches bleues indiquent que l'expéditeur a vu que vous avez lu le message vocal. Cependant, si vous activez la fonctionnalité « Lecture des messages à voix haute », l'expéditeur ne saura pas que vous avez effectivement écouté son message, et la deuxième flèche bleue disparaîtra sur son téléphone. Vous serez donc en mesure de lire les messages vocaux sans que l'expéditeur ne soit informé, etc. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Cliquez sur le numéro de la personne que vous souhaitez activer la ligne d'enregistrement audio, texte, image et la deuxième flèche. Une fois que vous y êtes, cliquez sur Custom Privacy et les options suivantes apparaîtront: hide bleu tick, cachez les coches bleues, hide second tick, cachez les secondes marques, hide blue microphone, cachez le microphone bleu, hide tipping recording, cachez l'indicateur de frappe enregistrement, hide view status, cachez la vue des statuts, et anti-delete message, anti-suppression des messages, exactement. Vous avez bien récapitulé les étapes nécessaires pour activer la fonctionnalité de ligne d'enregistrement audio et texte sur WhatsApp sans que les autres ne sachent que vous êtes en ligne. Il suffit de cocher les petits carrés à gauche pour activer la fonctionnalité, puis de rentrer dans les paramètres de téléchargement automatique des médias personnalisés et de tout activer. Enfin, il faut cliquer sur « OK » pour finaliser la fonctionnalité. Une fois cela fait, vous pourrez utiliser WhatsApp sans que les autres sachent que vous avez lu leurs messages ou écouté leurs enregistrements vocaux. Une fois cela fait, vous pourrez utiliser WhatsApp sans que les autres sachent que vous avez lu leurs messages ou écouté leurs enregistrements vocaux. N'hésitez pas à donner un « like » et à commenter la vidéo si elle vous a été utile. Merci encore pour votre soutien et à bientôt. Auparavant les flèches sont été deux mais vous voyez le deuxième flèche a disparu, vraiment, vraiment formidable, ça marche très bien.